Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. J'avoue que je me souviens plus trop où on en était. On va aller voir tout de suite ça en jeu. Donc, visiblement, on est le soir. J'ai cru voir une petite pop-up par là. Quel dommage, Silix. Elle en avait beaucoup à dire, n'est-ce pas? Ah oui, on venait de rencontrer la tortue. À faire aller sa bouche comme ça. Elle a toujours aimé parler, mais je ne la juge pas. Aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ses yeux étaient un peu inquiétants. Apaisants et gentils, bien sûr, mais inquiétants. Je crois qu'elle devrait en parler à quelqu'un. Mais c'est parler d'elle. Merci beaucoup de m'avoir amené à elle, Pitchounette. C'est très apprécié. Il se passe toujours tellement de choses, je n'arrête jamais. Aussi... ce qu'elle a dit à propos de Giovanni, ce personnage, bien... tu sais quoi? Oublie ça. Nous aurons amplement le temps d'en discuter plus tard. Je ne veux pas t'ennuyer avec ça maintenant. A bientôt, Stella. Donc, on a complété notre requête. Et on aura la suite bientôt. Alors, j'ai rajouté dans notre liste de suivi les améliorations... donc, sur l'atelier d'Atul, sur le chalet, pour qu'on puisse s'en sortir. Hey, c'est ce que j'appelle une fonderie. Sens-tu cette chaleur, Pitchounette? Sens-tu ces fragrances de matériaux fondus et de machinerie lourde? C'est là que la magie se produit. Nous ferons de magnifiques choses ici. Va à l'intérieur et laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, on a déjà vu comment ça fonctionne, mais c'est pas forcément très grave. Quelle machine? Oh là là, Stella, c'est une fonderie de première classe que tu as là. Je n'aurais moi-même pas pu faire mieux. Simplement spectaculaire. Laisse-moi te montrer les bases. C'est une machine complexe et tu dois être prudente. Premièrement, tu dois remplir la fournaise de minerai. Ensuite, tu dois ajouter du charbon à la fournaise pour la mettre en marche. Quand le brûleur sera plein, la machine atteindra sa température de fonctionnement. Alors peu importe le minerai que tu y aies déposé, la fournaise le fondra en lingots. Les soufflets de chaque côté de la fournaise font augmenter la température. Chaque métal réagira différemment, mais quand la bonne température sera atteinte, la fusion débutera. Tu devras t'assurer que la température reste au bon degré. Plus bas que la température nécessaire, le process s'arrêtera tout simplement et plus haut. Tu ne veux pas voir ce que ça fait, Pitchounette. Et voilà, je t'ai dit tout ce que tu as besoin de savoir. Essaye-le. Alors techniquement, on l'a déjà essayé, donc on va y mettre pas grand chose, un petit minerai de cuivre, ça suffira. Puisque ça, on l'a déjà essayé. Non mais non, pourquoi t'es devant ? Encore un dernier petit coup, ça devrait être bon. Beau travail! Oh Stella, comme j'espérais que tous les métallurgistes soient aussi doués que toi. Tu sembles petite et faible, mais tu danses dans la fonderie comme un vétéran forgeron. Je suis si fière de toi. C'est une machine splendide et je suis sûre que tu feras bon usage. Je me ferai même plaisir et l'utiliserai de temps en temps si tu es d'accord. Et ça me va parfaitement que tu l'utilises de temps en temps. Alors, où est-ce qu'on en est? Au niveau du jardin, ici, il y a besoin d'eau. On est pendant la nuit, donc il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, je crois ne pas avoir fait le verger encore. Dans les requêtes, construire un verger, c'est ça. Je vais aller voir si on a ce qu'il faut. Je vais pas du tout regarder. Je
me semble qu'il faut de l'aluminium à construire. Alors, un corral à mouton, on en a un pour notre mouton. Il faut du fil de nébuleuse. Ok. Fil de nébuleuse, on a effectivement pas ce qu'il faut. Est-ce qu'on va dormir? Est-ce qu'on a des choses à faire? Niveau cuisine. Si j'ai un briquet, si j'ai des clés, que tout va bien. J'ai quelques petites choses à vendre. Je peux planter des pommes, mais j'ai pas de verger. J'ai un homard. Genre, je peux faire un homard au homard. Si je mets un homard, homard. Ça m'a l'air pas trop mal. Et dans nos requêtes, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Du lingot d'aluminium, on n'en a pas encore. Il nous faudra de la flamboyante, du fil de lin pour en avoir. C'est la flamboyante qui va nous manquer. Lingot d'aluminium également. Du tissu de lin, je m'inquiète pas trop. Et là, ça va être tout ce qui va être ectoplasme en bouteille qui va surtout être gênant. Donc, on est pas mal. Et bien, écoutons, c'est la nuit. Je vais peut-être juste récolter les coquilles qui sont là. Tu peux me donner ma coquille. Veux-tu bien? Génial. Moule. Les coquilles vides, ça sera toujours bon à troquer. Et je pense qu'on va aller dormir par la suite. C'est ça, on a plein de coquilles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas nettoyé notre bateau. Voilà. Et au niveau des requêtes, il faut faire un bureau pour Atule. Il faut donner des côtelettes à Atule et construire un verger. On n'a pas spécialement d'endroit où aller. On va un peu voir ce qu'on a à proximité. Et on va dormir jusqu'au matin, tout simplement. Et on voit que notre mouton est déjà redevenu tout fluffy. On va pouvoir le tondre. Hop. On va choisir une destination sur la carte. On pourrait aller là, c'est nouveau, les quais de South Point. On pourrait dire, on va par là. Ça c'est bon compte et compagnie, c'est ça. Il manque un coffre. Et ici, on va confirmer le trajet. On va sonner la cloche. Sonner la cloche, que je ne me trompe pas dans les touches. Et ça vibre déjà. Alors, je me doutais que ça ferait du homard. Me dites pas qu'on a loupé les caisses. Non, pourquoi j'ai pas le chemin sur le côté là? Pourtant j'ai sonné la cloche. Devrait redémarrer. On peut le nourrir, on va lui donner du maïs. Et on peut le tondre. Ah, mais je suis peut-être sur une zone où je peux pas aller plus loin. C'est peut-être ça l'astuce. Il y en a. Mais c'est pas impossible qu'on soit sur une de ces zones-là. Ah bah non, il y a notre cher ami la tortue. C'est pour ça que ça vibrait. Vous n'avez pas vibré, moi j'ai vibré, ma manette a vibré. Donc on peut lui parler. Tu sais ce qui serait bien? Quelque chose à manger. Je sais pas du tout ce que t'aimes. Toi, t'aimes quoi? Oui, t'es triste, on sait pas ce qu'elle aime. J'ai pas vraiment cuisiné grand chose. Je suis pas sûr que te donner un homard soit une bonne idée. Bah oui. C'est bien trop luxueux. Je vais voir ce que je peux cuisiner vite vite. De pas luxueux.
Genre du petit poisson simple. Genre du petit poisson simple, ce serait parfait. Donc je prends un poisson parce que j'en ai plein. Et je mets ça à cuire. Et je vais voir ce qu'a à me dire notre cher ami la tortue. Et je peux lui parler. Mes sœurs parcourent les mers depuis le fond des âges. Le peuple de l'océan a vraiment besoin d'aide financière. Connais-tu des gens qui n'ont pas d'épargne? Si tu te joins à nous, je suis certaine que tu gagneras plus que ton imagination peut même en rêver. On joue à la bourse des bûches et des minerais. En un rien de temps, tes investissements vont doubler et même tripler. Saute sur mon dos. Investis dans notre entreprise en vogue. J'ai déjà investi dans ton entreprise en vogue. Ah, mais tu es déjà mûr, c'est ça. Trop tard. Voilà. C'est parfait tout ça. Hop. Sur cet arbre. Du coup, on va en remettre, hein, on va pas se gêner. Je peux en remettre. Alors, du calcaire, j'en ai pas beaucoup. Je peux en mettre. Ça me paraît une pas trop mauvaise idée. Remettre un peu de bûche. Et remettre un peu de bûche. Comme ça. Raté. Je suis tombé à l'eau. As-tu fini? Oui, j'ai fini. Tout à fait. À plus tard. Ça me va carrément. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait plus avancer, ce qui fait une tortue géante devant nous. Ah, comme quoi. Alors, je peux planter encore des graines étranges. Allons-y. Avec un peu de chance, on croisera Francis. Des graines de poireaux. Et des graines de laitue, un petit peu de tout. On va aller voir notre nourriture aussi, il y a un moment. Ça va peut-être être cuit. Pas encore. Par contre, tout le monde va avoir faim. Alors, je me souviens plus ce que t'aimes. Ma chère Alice, tu aimes les desserts, tu n'aimes pas les stimulants et les aliments exotiques. Et forcément, au moment où je veux te nourrir, on arrive sur les caisses. Donc on va s'occuper des caisses. On va trouver ce qu'on a de pas exotique. Il y a une petite coquille. Je suis pas sûr d'avoir pas grand chose de pas exotique. Il y a l'air d'avoir rien d'autre. On va pouvoir reprendre le chemin. Par contre, elle aime les desserts, sachant qu'on a une tarte. Mais je crois qu'on en a déjà donné hier. Et qu'il n'est pas du coup impossible qu'elle n'en veuille pas de notre tarte. Alors on va mettre un petit peu de lin parce qu'on sait qu'on en a besoin. Et j'en ai plus du lin, si j'en vois plus. J'ai toujours les remous de la des caisses. J'ai peut-être loupé quelque chose. Non, on continue d'avancer, donc tout va bien. Au pire, on a loupé quelque chose, mais c'est pas si grave.
Voilà, on voit que Alice a des choses à nous dire. Alors, on nourrit ici. Je ne sais plus quel est ton nom. Quel est ton nom? Astrid. Je te donne donc du petit poisson tout simple. Elle est une personne simple. Et les personnes simples aiment les plats simples. Donc, on a plutôt pas mal trouvé. Il me souvient que son humeur était pas top. On va donc lui faire un câlin pour en profiter aussi un petit peu. Ah, et du coup, j'étais pas sûre, mais effectivement, on est du coup pas assez équipé. Notre bateau n'est pas assez équipé pour aller par là. Donc, la destination était nouvelle, mais pas accessible. Où est Summer? As-tu vu Summer aujourd'hui? Bah, je l'ai déjà pas vu hier. Je crois qu'elle n'est pas sortie ce matin. C'est étrange, d'habitude elle se lève avec le premier rayon de lumière. Quelque chose cloche avec sa maison. Peut-être qu'Albert, le constructeur naval, pourrait nous aider. C'est parfait. Donc on va changer de cap. Et effectivement, il y a ici la petite ligne qu'on ne peut pas franchir. Donc on va faire demi-tour. Tout simplement, voir Albert. Par contre, je veux bien les autres. Je t'ai nourri, Atul. Je t'ai pas nourri, Atul. Oh là là, je t'ai pas nourri, Atul. Bah, te prends donc mon homard, là. Niveau contentitude. On va lui faire un câlin. Parce que plus ils sont contents, plus ils vont nous aider. Donc ça, c'est parfait. Est-ce qu'on peut... Oui, voilà, elle se sent toujours pas bien et on peut toujours pas l'aider. Où sont nos autres? Voilà, ici, tu as faim un petit peu, donc tu n'aimes pas les stimulants, les trucs exotiques. Donc je vais faire comme avec Astrid, je te donnais un plat simple. Visiblement, c'est ni ce qu'elle aime, ni ce qu'elle raffole, mais ça fait le taf. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire le taf? Des légumes, éventuellement. Il y a aussi plein de recettes qu'on connaît pas et qu'on peut essayer de deviner. Il y a un moment, je vais peut-être commencer à prendre le wiki pour savoir ce qu'on cuisine et savoir ce qui nous manque comme recette. Parce que sinon, ça risque d'être un peu long. Voilà, et du coup le verger, je l'ai pas mis en liste de suivi, je vais aller faire ça tout de suite, maintenant qu'on est occupé, je veux mettre le... Voilà, c'est du fil de nébuleuse qu'on voudra... Je pense que le moulin à vent, on voudra en faire un également, pour l'instant, c'est encore très loin de nos possibilités. Coucou Alex. D'ailleurs, ça c'est peut-être récoltable, non? Bah oui, c'est récoltable ça. Maïs, café, théier, riz, c'est ça, j'ai absolument plus de lin. Faudra peut-être que j'en retrouve. Après, il me semble qu'en avoir quand même encore un petit peu. Ah, j'en ai que 10, hein, ça fait pas non plus énorme. Raté. Voilà. Voilà. Ça fait déjà un petit peu, on verra si on a besoin de faire du tissu de lin. La réponse sera probablement oui, mais je veux pas en faire trop d'un coup. Ah bah tant pis pour ma nourriture, on va espérer qu'elle brûle pas pendant que je suis là. Et on va parler à Albert. Oh, je reconnais cette expression. C'est à propos de cette maison vert et brun, hein? Tu as des problèmes avec elle, n'est-ce pas?
Ouais, ça se voit des milles à la ronde. Écoute, je connais bien mon travail. Les gars et moi, on est de vrais professionnels. Et on ne critique pas souvent la dextérité d'un autre ouvrier. Mais cette maison, oh, c'est sûrement le pire boulot que j'ai jamais vu. Oh, oh, oh. Prends ça comme une leçon. Tu peux pas faire confiance à n'importe quel amateur. Fais toujours affaire avec un professionnel. Alors dis-moi, de quoi se plaignent tes passagers? Quoi? Elle dort? Oh, évidemment. Cette petite tête chauve est très sensible au changement de température. Imagine comme elle doit avoir froid. Et sans parler de sa peau sèche et écailleuse. Non, non, elle a besoin d'un système de contrôle de la température et de l'humidité. Heureusement, ce bâtiment était tellement bâclé qu'il y a amplement de fissures pour y faire passer du câblage. Oh, 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 oh. Bon, voici quelques plans et schémas pour installer un joli système CEVAC tout en un, de qualité professionnelle, courtoisie de la maison. Après tout, comment peux-tu payer tes dettes si ton bateau tombe en morceaux? Et donc, du coup, on a droit à une nouvelle amélioration. Et j'ai réussi à tomber dans l'eau. On va voir ce qu'on peut construire. Bon, je récupère. Ça, on a du courrier aussi. Donc on a juste fait une salade de champignons. Tout ce qu'il y a plus simple. Et c'est une lettre d'Olga. On va lire ça tout de suite. C'est écrit dessus à Astrid. Astrid, après avoir discuté avec toi des derniers potins, j'ai oublié de te dire quelque chose. J'ai trouvé ceci en feuilletant un magazine, et ça m'a fait penser à toi. C'est certes quelque chose qui est à la hauteur de ton style et de ton panache. Aussi, j'ai entendu dire que ton mari pourrait être dans la campagne d'Iwashima. Je continue de demander aux gens, ok. Ta vieille amie, Olga. J'imagine qu'on va devoir dire à Astrid qu'elle a du courrier. Astrid va peut-être aller jusqu'au courrier. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est, Pitchounette? Une lettre, tu dis? De la part d'Olga? Comme c'est gentil. Olga, des nouvelles des allées des venues de Giovanni? La campagne d'Iwashima, tu dis? Oh, ok. Nous devrions probablement y aller jeter un coup d'œil. Et puis quoi? Une idée pour une maison? Pour moi? Comme c'est attentionné. Je peux pas le cacher, Olga me connaît si bien. Oui, en effet, je serais très heureuse d'avoir un si beau repère pour y vivre. Et c'est toujours plaisant de savoir que quelqu'un pense à nous. Je veux dire, tu aurais pu y penser toi-même, bien sûr. Mais t'inquiète pas, je sais que tu es très occupée, Pitchounette. Être la spiritfareur et tout, c'est bon, je t'en voudrais pas. Et je te connais, tu construiras cette belle cabine à bord aussitôt que tu le pourras. Tu es pleine de ressources, après tout. Merci beaucoup, Stella. J'ai hâte. Eh bien, parfait. On va tout de suite aller voir ce qu'il faut, du coup, pour toutes ces nouvelles constructions. On pense à Summer, qui a besoin, du coup, de 5 lingots de cuivre et 5 lingots de fer. On va pouvoir gérer ça sans aucun souci. Et la construction, du coup, pour Astrid demande 12 tissus de lin. On devrait pouvoir gérer ça également. Donc on a dit. Essayez de m'en souvenir. Il nous faut... On a encore un peu de charbon, je vais en remettre. Du minerai de cuivre. J'ai déjà oublié combien. Je sais que c'est 5 en tout, je crois qu'on en a 2... Je vais quand même en faire 5. Même si je sais que pour l'instant notre rendement il est pas top top pour cette fonderie. Parce qu'on est du 1 pour 1 et normalement ça peut s'améliorer la fonderie. On verra à quel moment on aura cette amélioration. Parfait. Ça c'est fait. Et on a du fer. Donc de la même manière, il me semble que c'est 5 en tout. Il
On ira voir le courrier ensuite. Et faire du lin. On sait que c'est du tissu de lin, ça tombe bien. Je viens de faire du fil de lin. Si on se débrouille assez bien, on devrait pouvoir s'en sortir. On va éviter d'aller dans le rouge. Ça monte tranquillement, ça monte, ça monte. On redonne un petit coup. Ça va, c'est pas allé dans le rouge très longtemps. Ça, c'est géré. On n'a plus qu'à faire ce qu'il faut pour faire. Et du coup, on a un nouveau courrier. Visite Furugawa. Pour pouvoir visiter un nouvel endroit. Du coup, on a dit on veut filer le lin. J'en ai un bon paquet à filer, il me semble. Voilà, ça devrait être suffisant. Je vais construire ça tout de suite, histoire que, non, pas modifier, améliorer, histoire que Summer soit contente. Parfait, on a tout ce qu'il faut. Donc tout est construit ici, on est bon, et du coup on va pouvoir construire le bungalow d'Astrid. Qui est effectivement pas petit. Je peux pas le mettre là. On réorganisera peut-être, on verra. Alors, hein, on va pouvoir lui mettre un petit frigo avec des planches de frêne et des lingots de zinc. Je crois pas qu'on ait de lin, zinc. Du coton, on en a pas encore. Et ça, on n'en a pas encore. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'améliorer. Alors, lisons cette brochure. Bonjour de Furugawa. Fais l'expérience des merveilles des grands espaces. Tu peux maintenant faire une visite de la ville. Découvrir les boutiques, visiter notre sanctuaire, t'imprégner des lieux. Maintenant disponible à Furugawa. Ça me paraît pas mal. C'est là qu'on est censé aller. Non, on est censé aller à Iwashima. Eh ben, on ira à Iwashima. Je vais cuisiner un petit chouille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux avoir comme idée? Si je mets un navet... Je peux le mettre avec des champignons, je peux le mettre avec des moules. Je sais pas ce que ça va donner. Mais ils aiment pas trop la nourriture exotique, donc tout ce qui est moules et compagnie, à mon avis, ça va pas passer des masses. Et on va dormir jusqu'au matin. Donc, on a dit, on peut aller à Iwashima et Furugawa. C'est où ces choses-là? Ici, c'est le port d'Alt. Toroyama. Donc, il y a des ressources à récupérer. Une carrière. Furugawa. C'est pas mal. Des mines. La villa. Je sais pas. Le phare Ikarishima, ok. C'est où Iwajima? Iwajima.
Là, il y a des ressources. Ça, c'est une berg. Bah écoute, je sais pas où c'est Iwo Jima, mais Furugawa c'est là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est on est ici. On va aller tout simplement là. Je sonne la cloche et je récupère ma nourriture. Du ragoût de mollusque. Ah, c'est encore confus. Oh, Stella, je crois que j'ai dormi un peu trop longtemps. Combien de temps ai-je dormi? Quoi? Autant? Hiberné, tu dis? Bon, j'imagine que ça devait arriver. J'ai sûrement ignoré les signaux de mon corps. C'est une mauvaise habitude. Merci Stella de prendre si bien soin de moi. C'est parfait. Du coup, j'imagine que tu crèves de faim. Tout à fait. Alors, végétarien, donc... ben, j'ai pas grand chose de végétarien. Donc... elle en a mangé récemment. As-tu autre chose? Bah oui, j'ai autre chose. On va bien trouver autre chose. On va bien trouver autre chose. Une salade de grains. Il faut quoi pour la salade de grains? La salade de grains, il faut du grain et du légume. Je pense que la salade de grains. C'est exactement ce qu'il me faut. Je pourrais en cuisiner beaucoup plus, hein, bien évidemment. Bonjour Alex, je veux voyager. Ah bah Olga a déjà de nouveau des ressources ici. Mais moi je veux aller là pour aller à Furugawa. Donc je veux aller là. Et c'est tout sombre. Pourquoi es-tu contente? Je n'aime pas ça. Je sais pas ce que t'aimes pas, mais tu n'aimes pas ça. Ah! On a quelqu'un qui... On est dans la... On va pouvoir faire un mini-jeu. Où es-tu? Parfait. Stella, tu n'es pas sérieuse. Cette maison est fantastique. Ah non, parce que c'est... On a construit sa maison. Tu sais, j'aime les choses simples. Les choses simples qui me font sentir bien et qui me réchauffent le cœur. J'y peux rien. Je n'aime pas quand c'est trop compliqué ou luxueux. Je n'aime pas ça. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. D'aussi loin que je me souvienne. Quand j'étais jeune, plusieurs de mes amis étaient plutôt riches et célèbres. Tu sais, des artistes, des philosophes, des athlètes de haut niveau. J'ai toujours attiré les gens les plus distingués. Que veux-tu que je te dise? Mais ça ne signifie rien pour moi, à cette époque, et même encore aujourd'hui. C'est probablement pourquoi je me suis finalement mariée avec Giovanni. Il était si simple, mais si élégant, authentique, mais aussi drôle et sans prétention. Et sans le sou. J'imagine qu'il n'a pas plus d'argent aujourd'hui. Ok, je dois l'admettre, je crois qu'il me manque. Je sais que je ne devrais pas. Je sais que c'est une racaille sans valeur. Je sais qu'il doit bien se foutre de moi maintenant. Mais je n'arrive pas à l'oublier. Hey, écoute, j'y connais que dalle au bateau et à la navigation. Pourrais-tu vérifier le courrier? Peut-être que Olga nous a écrit à propos de lui, comme elle me l'a promis. Je t'en serais reconnaissant si tu le faisais. Merci beaucoup, Stella. Je ne l'oublierai pas. Ok, donc ici, on a... Oui, ben je sais que tes côtelettes de porte vont droit au cœur, mais pour l'instant, j'en ai pas. Tu vas manger du curry de poisson, parce que... C'est le seul à être gourmand à ce point. Je récupère ma nourriture avant que ça soit tout cramé. Et on va pouvoir parler à Summer. Stella, je voulais... Les rêves, Stella, ils sont de retour. Ils sont plus puissants que j'aurais même pu l'imaginer. Ces visions, je les vois maintenant, même quand je suis éveillée. Ces récits se sont transformés en bouffées de fumée à l'odeur des terres. Et les fruits pourris forment maintenant l'œil du dragon, vitreux et malade, faisant miroiter une spirale de rouille dévorante. Un autre dragon s'est éveillé. Il me terrifie. Mais la souffrance ne peut être tolérée. Tu seras d'accord, je suis certaine. Allons-y, veux-tu?
Ok, je te nourris aussi. En passant, je viens de te faire une salade de grains. Et je te fais un câlin, comme ça, ça devrait aller mieux. C'était surtout pour toi le câlin, moi ça va. Et on va du coup arrêter cet épisode-là. Ah, tiens, Alice a nous parlé. Aurais-tu quelque chose à manger? Ben, je t'ai pas nourri, toi? Prends-tu le poisson? Ah, je t'en ai déjà donné du poisson. J'imagine que tu prends pas la bouillabaisse? Si, tu prends la bouillabaisse. Et je peux te faire un câlin également. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode qui commence à être déjà suffisamment long. On va aller voir les visites Furugawa la prochaine fois. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Bye bye.